Et l'enfance dans tout cela, Fabrice Lucchini, bonjour. Ça vous fait peur, des petits enfants comme ça, qui sont déjà presque des adultes dans leur tête qui sont des adultes. Bah, moi, je ne suis pas pour avoir des opinions. Les acteurs ne sont pas là pour avoir des opinions sur le monde. Mais je vais quand même vous répondre, parce que vous êtes vraiment chaleureux et sympathique. Mais j'aime plutôt les défauts et les impuissances, moi, dans les êtres humains. Vous étiez un bon élève à l'école? Non, là, on va régler le dossier rapidement. D'accord. Je ne comprenais pas de quoi on me parlait. J'ai jamais bien compris d'ailleurs en général de quoi on me parle. Alors aujourd'hui, on parle du spectacle que vous donnez tous les soirs au Théâtre de la Renaissance, où vous dites tous les soirs des textes classiques de Baudelaire, de Victor Hugo, de Céline, de La Fontaine. Nous y étions hier avec Carole, vous nous avez vraiment subjugués. On peut vous le dire ? On peut vous faire un compliment ? Oh, j'aime beaucoup ça. C'était jubilatoire, mais on ne peut pas proposer un extrait, puisque vous avez refusé qu'on filme un extrait de votre spectacle. Pourquoi ? C'est une façon de protéger votre travail ou... Oh ben c'est un peu intraitable ce qui se passe sur un théâtre. Vous avez remarqué, c'est vous, le spectateur, qui êtes sollicité par la puissance des textes. Donc si on voit un malheureux acteur agité, les gens vont dire « tiens ». Mais eux, au théâtre, ils éprouvent et c'est à eux d'éprouver. D'où la difficulté du métier. Ce n'est pas moi qui dois jouer, c'est eux. Mon métier, c'est de leur donner l'opportunité de jouer. C'est ce que vous dites sur scène. Hein. Oui, le bon acteur, c'est une phrase de Jouvet. Hein, oui, mais doit jouer avec le public. C'est plus que ça. C'est qu'il doit être celui qui s'oublie pour que le spectateur soit libre de toutes les libertés, que son psychisme soit libre de tout recevoir et de jouir. C'est un mot effrayant parce qu'on voit tout de suite. C'est jubilatoire. C'est assez gênant ce qui se passe dans la salle, parce que d'une certaine façon, je dirais que vous hypnotisez le public avec les mots. On a été hypnotisés en sortant aussi. C'est le sentiment que vous nous donnez. Vous nous emmenez, vous nous faites un peu peur au début. Vous nous emmenez tout doucement vers la compréhension, vers la découverte de ces textes que l'on croit connaître, mais au début, vous nous faites un peu peur. Vous me croyez ? Oui, je vous crois, parce que je n'ai pas pris les textes les plus sympas au début. Hein. J'ai pris des textes difficiles pour que, justement, le spectateur soit dans un état de difficulté. Ce n'est pas là du tout, ce n'est pas du tout pour le repos. Il n'y a pas... On ne consomme pas ce spectacle-là. Mm-hmm. On dirait Marguerite Duras. Mais enfin, il faut quand même rassurer le public qui va venir vous voir. On passe un excellent moment. Il ne faut pas non plus leur dire de ne pas y aller. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas qu'ils y aillent de trop, ce qui était pas mal, parce que là, je crois que... C'est un moment de fraternité quand il est réussi. C'est un moment qui, comme dit Jouvet, propose aux êtres d'écouter des miracles de langue. Et ils sont enfin, on leur parle, c'est pas moi, moi je ne suis qu'un, j'essaye d'être un exécutant, mais vous avez remarqué à quel point le monde est hostile. Il est hostile, le monde. Qui fait des choses pour nous ? Posez-vous la question. Quand nous ouvrons nos radios, quand nous rentrons chez nos commerçants, qu'est-ce qui nous nourrit ? Vous, a priori, c'est le plaisir, non ? En tout cas, la recherche sur scène, quand on vous entend, le plaisir avec les mots, le plaisir de les dire, de les interpréter, non ? Ce qui est le plaisir, c'est qu'il y a eu des génies qui ont eu, dans leur souffrance et dans leur fécondité, une arme pour que nous comprenions un peu mieux notre moi et nos êtres et notre vie. C'est hyper prétentieux de dire des trucs comme ça. C'est pas du tout ça. Quand vous aurez une toute petite minute, quand vous sentirez qu'il faut que ça soit la fin, je trouverai trois phrases qui seront beaucoup moins théoriques et qui donneront un peu plus la sensation de ce qu'est ce spectacle. Si vous voulez, je vous donne mon oreillette dans laquelle on me dit actuellement qu'il ne reste plus qu'une minute. Donc il faut que vous fassiez vos trois phrases finales. J'aurais adoré passer beaucoup de temps avec vous. Mais vous allez revenir. On va en passer après. Je peux faire une semaine avec vous, mais avec une chose, c'est que. C'est très bon le couple. Il y en a qui essayent de faire la même chose, mais vous, c'est très très bon. Parce que c'est un couple complémentaire sans investissement trop grand. Car comme disait Roland Barthes, qu'est-ce que je peux faire du désir de l'autre ? Je suis toujours terrorisé par le désir de l'autre. Bien. Alors, une minute. Quoi dire ? En une minute, rapidement. Dites-moi un petit souhait, n'importe quoi. Madame, d'abord. J'ai appris que vous étiez... En partant, si possible, d'un texte d'hier soir, alors, s'il vous plaît. Voilà. Lâchez le morceau. Qu'est-ce que vous voulez, madame ? Sur le style. Moi, j'ai envie que vous donniez envie à des enfants d'aimer, par exemple, Baudelaire. Et d'apprendre. Oui, mais ça, c'est de la folie. Il n'y a pas de cas où ils peuvent aimer Baudelaire. Hein, non, Baudelaire, on l'aime à 30 ans, on ne l'aime pas avant. Donc déjà, alors, ça, c'est pas une bonne la chose. Fontaine, on peut l'aimer puisqu'on le récite des 6 ans. On le récite, on le détruit. On le détruit, on leur donne une haine de La Fontaine, absolue. Ouais. Donc, ça, donner-leur l'amour. Mais l'amour.
Qu'est-ce que vous voudriez comme bout de texte qui vous a touché? Je sais pas, en verlan. Faites-nous la scène d'hier soir, le corbeau et le renard, même si c'est en verlan. C'est ce qui représente le mieux le spectacle. Ça me fait plaisir, Rachid. Je suis content. Pointu, quand même. Ça, c'est très complémentaire. L'homme qui est quand même la conception rigoureuse et la femme qui est dans l'organique émotionnel un peu confus. Ouais. Ça, c'est beau ce que vous venez de faire. Ouais. Parce que, quand même, les hommes, on a beau toujours dire du mal des hommes, ils sont quand même le concept. Ils ont la pensée. En deux mots, je vous fais par plaisir. Vous revenez demain pour dire des choses pareilles. Continuez. Alors, je vous fais le corbeau et le renard. Oui. Remets beau corps sur un breuat chez père, n'était dans son logbé un mâche fro. Tremet narreux par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce gagelant et jour bon, si meur du beau corps, que vous êtes ligeau, que vous me blessant l'aubème sans tirement, si votre mâche ras se rapporte à votre mâche plus, vous êtes le nix fait des teaux de ses lois bêmes. Le beau corps à ces mots ne se sent pas de joie et pour Trémon, ça le bévoit, vreux un jolard logbé. Laisse béton la loi prême. Le nard ressensissait et dit « Mon bon sieumeur, apprenez que tout torfla vit au pendet de celui qui l'écoute, cette son leuve au bien un mâche-fro sans doute. Le beau corps teon et fucon, raju, mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus. » C'est pervers votre question, parce que ça leur ferait croire que c'est un truc comme ça. Ça, non, ça dure une minute et demie dans le spectacle. Non, ça dure une minute, moi j'avais bien ri. C'est énorme, c'est énorme. Rachid, vous avez beaucoup de charme aussi. Hein. Oh bah, je vous remercie. On va parler de football, je crois. D'accord, on peut peut-être s'en passer. Alors en un mot, l'Arménie, ils étaient vitaux hier. Voilà. Ils étaient vitaux. Pourquoi ils étaient vitaux? Parce qu'ils étaient dans la minorité. Ouais. Et qu'est-ce que c'est la gauche? Comme dit Deleuze, elle ne peut jamais être dans la majorité. Deleuze, il dit une phrase très belle. La gauche ne peut jamais être au pouvoir. Donc c'est des menteurs. La gauche, elle est en minorité. Les Arméniens étaient en minorité. Et un acteur qui se prend pour un acteur est un imbécile. Ce qu'il faut, c'est être en minorité. Ça, c'est une chose intéressante. Les Arméniens étaient vitaux, rapides. Ça ne m'intéresse pas du tout, en général, le foot. Je vous dis ça comme ça. En tout cas, Florent Gautreau. Voilà, Florent merci. Gautreau, Florent. Mi-finale. Voilà, nous sommes déjà arrivés au terme de ce journal. Comme tous les jours, nous allons vous donner des nouvelles de la bourse, mais un peu particulière aujourd'hui, puisque le CAC 40 vous est livré par Fabrice Lucchini. Bon, bah, je vais dire une chose très gentille, puisque vous savez, c'est la première fois que je le fais, mais je sais que mon père écoute. Et je sais qu'il a... C'est un émigré italien, plutôt, je vais faire un peu Zola. Hein. Et ben, je vais lui dire, papa, le 4,40 est en progression de 0,46. C'est pas énorme, mais c'est pas non plus une mauvaise nouvelle. Vous devriez faire commentateur économique. Est-ce que vous auriez envie, par exemple, d'avoir une émission pour vous, peut-être vous exprimer plus largement que dans une salle? Non. Même pour lire des textes? Même pour lire des textes? Non, pas à la télé, non, j'ai besoin de rien. Non. Vous voulez rester au théâtre de la Renaissance où vous êtes jusqu'à... Une quarantaine de représentations, je crois. Oui. Et après, vous allez vous reposer? Ben non, il y a un film qui sort avec Isabelle Huppert et Vincent Ledon, de Benoît Jacquot, qui a déjà fait beaucoup de bruit à Venise. À la Mostra, mais vous savez, moi, les acteurs qui racontent leur vie professionnelle, ça me rase. Les acteurs qui racontent leur vie personnelle, ça me rase énorme. Moi, j'aime parler avec des êtres. Et donc, je suis vraiment content de vous avoir vu. Et c'est un dimanche 13h, c'est énorme. Ça me rappelle... le matin du antenne de William Lémergie. Je me posais souvent des questions. Depuis 20 piges, il se lève pour aller faire Matin Bonheur. On peut mourir avec Matin Bonheur. Télématin. Mais je l'aime beaucoup, William Lémergie aussi. Nous aussi. Moi, j'aime tout le monde. Je suis comme les acteurs de gauche. Ouais. Vous savez que nous ne sommes pas dimanche. Ah bon? Voilà, non, mais on n'a pas voulu. Bah, un jour, quand on aura le temps, je vous ferai un grand texte sur le dimanche. Bon. Rachid. Merci. Salam alaikum. Vous revenez demain? Avec grand plaisir, je peux venir une semaine avec vous. Alors moi je vais dire à ma bouchère que vous êtes aussi ravissante en vrai que dans le truc. Et que vous êtes l'homme idéal. C'est-à-dire l'intégration, il n'a pas perdu son identité. Puis en même temps il est quand même très bien élevé. Parce que les gens doivent dire, tu vois, il y a quand même des gens de l'Afrique du Nord qui sont quand même, oui, il n'y a pas que... Ahmed, tu me fais plaisir, l'Aziz. Pourtant tout est pareil, c'est la même chose. Merci. Si vous restez encore quelques secondes, vous aurez des nouvelles de la météo avec Nathalie Rioué. Non, ça vous intéresse? Je vous embrasse. Et puis à 20h, le journal avec Claude Sérillon. Ah bah Sérillon, attention, il y a un petit dossier sur Sérillon. Lui, il veut que le monde change. Ouais. Je le connais, Sérillon. C'est un homme engagé. C'est un impliqué. Il pense que le monde changera. Je lui conseille la lecture de Schopenhauer. Mais je crois qu'il lit Schopenhauer. Ah bah alors tout va bien. Alors j'embrasse aussi Claude Sérillon. Mon maman, mon papa, et puis ma fille, etc. Je vous embrasse. Merci. À très bientôt. Carole et moi serons là demain avec Fabrice Lucchini à 13h. Voilà, on est parti pour une semaine ensemble. Merci, au revoir. À demain à 13h. Je peux être capable. Hein. Attendez, j'attends parce qu'il faut être élevé. Oui, voilà. Attendez. Allez-y pour le générique. Allez, allez.
inspiré de vos vies respectives, justement, non? Oui, parfois, vous connaissez ça nous arrive, forcément, ouais. Parce qu'il y a des choses parce qu'on a que vous fait n'êtes dans pas marié dans la vie. Non, il faut le dire. D'ailleurs, et vous, au fait, est-ce que ça... Non, nous non plus. Ok, on va passer là-dessus. Voilà. Non, absolument pas. Alors, comment avez-vous été choisi? Parce que vous ne vous connaissiez pas avant. Ben, non. Angoisse pour un caricaturiste, mais bon, en dehors du plaisir qu'on a de dessiner une belle femme sans rancune, Carole. C'est une œuvre qui va valoir très cher. Ah oui, je peux vous dire que ça a provoqué des... Vous vous êtes reconnue, vous? Je me suis reconnue, oui, quand même. Vous étiez à droite, vous? Voilà, c'est ça. Et vous à gauche, c'est voilà. C'est le contraire, là. Voilà. Bien.